Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est pourquoi, dans une multiplication, on peut non seulement simplifier verticalement, mais aussi en oblique, comme ça, ou bien comme ça. Mais ici, rien n'est simplifiable. Nous trouvons 21 vingtièmes et fini. Regardons cet exercice-là. Nous pouvons de suite simplifier ici par 12, ça fait un demi, et ici par 3, ça fait 5 septièmes, donc comme ceci. Maintenant, verticalement, on ne peut plus rien simplifier et en oblique non plus. Donc nous obtenons comme réponse non simplifiable 5 quatorzièmes. Regardons ici. Nous pouvons de suite simplifier en oblique. 7 divisé par 7, ça fait 1, et 14 divisé par 7, ça fait 2. Mais aussi comme ça, puisque 15 divisé par 5, ça fait 3, et 10 divisé par 5, ça fait 2. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là, dont la réponse finale non simplifiable est 3 quarts. Regardons ceci. Nous pouvons simplifier en oblique par 7 et en oblique comme ça par 6. Ainsi, nous obtenons comme calcul 1 demi fois 3 quarts. Ici, on ne sait plus rien simplifier. On effectue donc la multiplication et terminé. Regardons le dernier. Cette fraction-là est simplifiable certainement par 13. Ça fait alors moins 3 douzièmes. Cette fraction-là est simplifiable par 12, ce qui fait 12 demi. Donc nous obtenons cette multiplication-là à effectuer. Mais avant de l'effectuer, on peut encore simplifier en oblique par 12 et finalement, il reste moins 3 demi.